Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Dans ma dernière vidéo, nous avons vu quels muscles travaillent ensemble pour optimiser sa séance. Aujourd'hui, nous allons voir comment placer ces séances. Parce que oui, il est tout à fait normal que si tu veux évoluer en musculation, si tu veux progresser, c'est un objectif de prise de masse ou de perte de poids ou je ne sais quel objectif, tu vas devoir faire les choses intelligemment, ok? Tu vas pas faire une séance dos le lundi et une séance bras le mardi. Tu vas pas faire ça. Il faut optimiser ton repos afin d'être tranquille. L'idée en fait, c'est que quand tu fais une séance, le lendemain, si tu vas à la salle, c'est de ne pas faire une séance qui va cibler un muscle que tu as déjà travaillé. D'accord? Et je dis cibler. Je dis pas, par exemple, tu fais pec le lundi. Tu fais le haut des pecs le lundi et le mardi, tu fais le bas des pecs. Non, je parle pas de ça. Par exemple, dans les pecs, tu cibles les épaules et les triceps. Tu vas pas faire les triceps le lendemain. C'est un exemple. Après, bien évidemment, cette règle va s'appliquer si tu as le temps. Tu vois, si tu as le temps d'organiser tes séances à la salle, si tu as un travail qui te permet de bien t'organiser, voilà. Mais après, si c'est compliqué au niveau de ton emploi du temps, si t'as pas le choix, tu peux gruger les règles, tu vois. Mais voilà, pour la récupération, ça risque d'être un peu difficile. Je vais te donner un exemple de mes séances. Par exemple, le lundi, on va commencer le lundi, hein. J'aime bien mettre les pecs, épaules, triceps, par exemple. Pour bien commencer la semaine, voilà, c'est là où tu as le plus d'énergie et tu commences bien, tu vois. Et en général, moi, je conseille une chose, quand tu accumules 2 jours de repos consécutifs, mets une séance que tu aimes faire, tu vois. Une séance où tu as vraiment besoin d'évoluer. Moi, j'aime pas forcément faire les pecs, mais j'ai un point à rattraper au niveau des pecs, donc il me faut de l'énergie pour les pecs. Donc voilà, pec, épaule, triceps. Pour éviter d'avoir plus de tension sur le haut du corps, le lendemain, je vais pas faire le dos, je vais pas faire les bras. Je vais pas faire ça, tu vois. Le lendemain, je fous ma séance en jambes, tranquillement. Je fous ma séance en jambes. Ma séance en jambes, c'est une bonne séance de transition. C'est aussi une séance qui demande beaucoup d'énergie, mais c'est une très bonne séance de transition. Après, c'est simple. C'est soit j'ai pas le temps, j'ai un planning assez chargé, je place ma séance dos juste après et je suis réglé dos biceps et je me fous un petit rappel épaule ou trapèze et tout comme ça, je suis tranquille. Ou alors, si j'ai du temps, si j'ai de la place dans la semaine, je me mets une petite séance tranquille, soit un petit rappel pec avec les épaules, histoire de bien reposer mon corps avec la séance jambes. Et après, je balance mon training dos. Parce que pour moi, musculation, c'est simple. Quand tu arrives à placer ton training pec, ton training dos et ton training jambes, bah, tu as fait quasiment presque tout, tu vois? Parce que les pecs, tu les fais avec les épaules, les triceps. Le dos, tu le fais avec le biceps. Tu peux aussi mettre des trapèzes. Et les jambes, tu fais l'ensemble des jambes. Donc, une fois que tu arrives à caler ces 3 séances-là, bah, tu es réglé. Tu vois? En soi, tu peux te faire une semaine juste de 3 séances. Mais moi, comme je suis un fou et comme j'aime bien me détruire, en général, je mets 5 exercices. Parce que j'ai du temps aussi. Il faut se le dire, j'ai du temps. Donc voilà en gros comment je procède. Après, il y a quelque chose que tu peux faire, mais que voilà, faut vraiment de l'organisation pour réussir à faire ça. C'est de faire une séance, un jour de repos, une séance, un jour de repos, une séance. Ça peut être efficace, honnêtement. Parce que là, tu peux envoyer une grosse séance, te reposer après, grosse séance, repos après. Ça, ton corps, il va apprécier ça. Il va apprécier. Mais moi, ce que j'aime faire, si tu veux, c'est m'entraîner sous plusieurs jours avec de l'intensité et me reposer sur plusieurs jours avec de l'intensité. Ça, j'aime bien faire ça. Par exemple, 3 jours de gros training, tout le reste, tu te reposes. Parce qu'il faut savoir un truc, ton corps, il changera pendant le repos. Après, dans mes vidéos, là, je n'ai pas parlé des abdos et du cardio. Parce que oui, les abdos et les cardio, tu peux les mettre soit avant ou après ton entraînement. Que ce soit tous les entraînements ou alterner un entraînement sur deux. Mais j'ai envie de dédier une vidéo complète à ça. Et surtout en appuyant sur les abdos parce que c'est très important. Et il y a beaucoup d'idées reçues, il y a des choses à dire dessus.
Donc voilà pour cette petite vidéo, moi je voulais vraiment aller à l'essentiel pour que tu comprennes les choses, pour que tu comprennes que le repos de tes muscles c'est important pour que tu puisses évoluer. Après bien sûr, si tu as un planning qui t'empêche de bien t'organiser, bah, je te comprends, tu peux transgresser les règles. En soi, c'est pas quelque chose qui va changer drastiquement. En fait, c'est pas parce que tu fais les bras le lundi, tu refais les bras, enfin tu fais le dos le mardi que ta séance 2 sera impactée. C'est juste que voilà, il se peut que tu auras moins de force et tu vas moins charger dans tes séances d'eau et ça risque d'être moins efficace, tu vois. Mais en aucun cas, ça va annuler ta séance, d'accord? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.